Zelda, le souffle de la sauvage, le souffle du sauvage, le souffle de la sauvagerie, le... la respiration de la sauvage. Comment on peut traduire ça? Alors oui, on est en 2017. Mais on fait de la rétro-engineering et on a l'impression d'être en 2004 sur GameCube. Et encore, Star Fox Adventure était plus joli quand même à l'époque. Cette opacité blanche de brouillardisante qui est vraiment pas terrible. Les graphismes et les textures ne sont pas top. On n'est pas loin de Motocross Madness. La qualité de l'open world, la qualité du level design et la richesse du bousin nous fait très facilement oublier ces petits défauts. Et c'est ça qui est arrivé en 2 heures de jeu que j'ai eu avec Carton. Qui c'est qui lâche une caisse là? Link. Ah, c'est Link. Elle était dans mon cul? Kaboum! Excellent, excellent. Ça, je l'avais pas vu, ça. Excellent. Et donc, il y a une charge. Magnifique, magnifique. Regardez, il y a l'herbe qui... Ah, j'ai plus d'enduit. Il y a l'herbe qui fait par rapport au vent de la dague. Au vent de la dague, au vent de la hache. Et produit du vent en même temps. Magnifique. Voilà, et ce qui est génial, c'est ça. C'est pas FF15 avec des murs invisibles tous les 30 cm où t'as même des petites pancartes comme ça qui te bloquent. Là, t'as vraiment un véritable open world où t'as l'impression que tu peux tout explorer de partout. Même si là, on a l'impression d'être sur PS1. Là, j'avoue, là, ça fait très Spyro le dragon, quoi. Sérieux, ils ont des contre-attaques. Oh, la longueur du bâton! Je sais que c'est pas la taille qui compte, mais quand même, t'abuses. T'en penses quoi pour l'instant? Je suis très très conquis, très très conquis. Malgré les petits défauts techniques. Tu vois, par exemple, là. Tu vois, vous avez vu le petit nuage dynamique? Très 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 agréable. Voilà, les petites orbes, là. Gus DX, il est en apoplexie, là, il est en train de se permaculer partout derrière en faisant la toupie mexicaine. Et le jeu, il est monstrueux. Monstrueux. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, et pareil. Ça, c'est génial. T'es pas obligé de chercher l'entrée. Tu vois qu'il y a une fenêtre. Tu dis, je vais explorer par là. Et t'as ce sentiment de liberté, d'exploration, qui est tout simplement incroyable dans cet open world masterisé, ce level design masterisé. Le même plaisir que j'ai ressenti avec. Comment on appelle ça? Avec Morrowind, Oblivion, Skyrim, c'est-à-dire que tu sors, t'as absolument pas envie d'aller à la quête principale, mais tu passes ton temps à explorer à gauche, à droite. C'est ce que je ressens avec ce Zelda. Salut, je le trouve pas super beau. Il est pas super beau. Regarde, regarde. Spyro the Dragon, 1996 ou 17 sur PlayStation 1. Il est pas super beau. Il est... Non, 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 non. Il a quelques effets super beaux, mais une fois que, comme j'ai dit tout à l'heure. Une fois que tu t'habitues, il est très envoûtant. Il est très très envoûtant. Mais après, c'est le début du jeu. Donc j'imagine que. Par contre, c'est Abraham Lincoln. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Abraham Lincoln au niveau. Ah oui, d'accord, tu cliques, tu bandes et tu tires. Ok, nickel. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? C'est Abraham Lincoln dans le découpage d'arbres. Hein. Et voilà, il y a des petits coins là comme ça. Eh. On dirait Halo. Un démake de Halo, on dirait vraiment une ambiance à la Halo S. Non, faut peut-être un. Ah! Elle a enflammé. Pomme grillée, magnifique. Et ce côté-là. Ce côté-là de. de Zelda est vraiment génial. Voilà. Ça se transforme en torche. Et ça, c'est beau! Et aussi, ce que j'ai vu. Voilà, l'herbe brûle! Elle est noircie et elle brûle. C'est quand même beau. Au niveau qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du vent? Au niveau de. Putain, je suis en train de brûler toute la. C'est génial. C'est. Voilà, le moteur physique du jeu est très 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 intéressant. Voilà, et redescendre en fait. Ah ouais, ils ont vu la flèche, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le one-shotage magnifique. Non, 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 non! Le bug ou le Dakivor ou le GG ou le gars qu'il est, à vous de choisir. En bas à droite pour voir ta magnifique chevelure. Ouais, non, mais je me suis pas douché et là ils sont tout raplapla là, je peux faire de l'huile, je peux faire des frites avec mes cheveux. Oh merde, il y a un pigeon. Au revoir, joueur PS4.
Oh, ce petit... J'ai l'impression de me promener en Serbie, quoi. C'est vraiment super agréable. T'as ressenti beaucoup de ramage pour l'instant? Bah écoute, non. Non. Tu sais, je suis un fan de Oblivion, Skyrim, Assassin's Creed. Mes yeux niveau ramage, tu vois, ils sont high level. Strike! Putain, mais c'est comme For Honor, quoi. C'est génial. Ah oui, j'aime bien ça. Il se permacule sur la tablette. Hop, Bukake. Au cas où. Tu vois, ça aurait été pas plus joli la scène condamnés. Avec un noir noir et pas derrière des lunettes embuées. Parce que là, ça gâche la puissance du truc. Oh putain, on peut même aller dans les trous d'oreilles. Ah, j'ai mis mon bouclier sous mes pieds, dis donc, mais ça m'a pas protégé. On va s'entraîner. Viens là que je te fasse des parades parfaites, mon gros. Ok, c'est ça la parade parfaite. Allez, vas-y. Taïo! Yes, baby! Bouillard! Magnifique! C'est bon. D'accord. Oh putain, tu roules bien, toi! Ouais, la physique. Ouais. La physique est extrêmement cool. Link, je te demande de regarder en face. Voilà, bouge plus, voilà, je touche plus à la manette. Qu'ici? Ah putain, mais elle est gyroscopique cette conne! Merde. Elle est gyroscopique! Oh l'horreur! On peut l'enlever ce truc? Attends. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a l'arc! Mais non, mon épée! La retrouver, ouais, bah j'ai que ça à foutre. Je l'ai jeté de hyper haut. J'ai 80 km² en bas à explorer pour la retrouver. As-tu vu les sanctuaires? As-tu vu les sanctuaires? As-tu vu? Ah, salaud, t'es à l'arc. Triche. Oh, là, on l'esquive. Oh, l'esquive. Oh, l'esquive. Salut. Ah, ouais, au calme. C'est terrible pour se gratter le dos, ça. Ou se décoller les burnes. Ah! Ah mais j'ai... Attends, deux secondes. Oh oui, le trichat, magnifique. Est-ce que je peux pisser à l'arc et les flèches? Oh oui. Oh oui. Oh, le Link badass à la Chuck Norris, il pêche avec un arc et une flèche. Là je suis en pleine forêt, je vois rien. Ah, un écureuil. On peut lui chasser sa race. Oh oui. Ah d'accord, l'écureuil lâche des glands. Il a perdu une testicule, ok. Là c'est beau là, voilà, avec l'herbe qui lui chatouille les testicules, c'est super mignon, c'est super romantique. Voilà, là par contre c'est très joli. Voilà, l'herbe qui bouge en temps réel avec l'arbre et tout, c'est très joli. En fait c'est le bras d'un juif, il est en train de chercher de la monnaie par terre. T'es sérieux au niveau des villes, est-ce que j'use? Derrière le mur. C'est bon. Ouh! Attends, moi aussi j'ai des flèches explosives de la mort. De la El Muerte. Attends, comment on fait déjà? Shkaboum! C'est tout! C'est excellent la cuisine! Une brochette de champi! Une préparation 13. Oh putain, 5 heures ça remet! Ça vaut le coup! Oh, mais ça va, la fourche, il y a des fourches. Oh, et des fourchailles! Yes, 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 oui, oui, moteur physique, oui, moteur physique. Ça, c'est la puissance d'un moteur physique et de l'intelligence d'un open world et d'un level design. Et d'une mécanique de gameplay. Tu penses que tu peux le faire? C'est parce que tu peux le faire. Oui, je t'aime, je. C'est cool, il s'enlève les plumes, il se transforme en steak lui-même. Viande de voler. Ah oui, ça coupe, t'as raison. Putain. Oui, je magnifique. Éventail Korogu. Presque. C'est bon. Ouais, c'est bon. Yes.
Oh, c'est génial, tu tapes l'arbre, il se met là, et t'as les pommes qui tombent au premier coup. C'est magnifique, c'est monstrueux, c'est extrêmement bien fait, c'est... La qualité de ce moteur physique est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. T'as l'impression, t'as vraiment une impression incroyable. Tu vois, ça c'est la beauté d'un open world, et pas FF15 où le moindre petite marche comme ça est un mur invisible. Ou même des fois, il n'y a pas de marche, mais il y a un mur invisible. Non! Oh non, où est-ce qu'il va me remettre? T'as la puissance des pompes, c'est abusé! On a des dégâts de froid si on est trop haut. Ah, je grelotte. Ah, mais sans deck, faut que j'achète une petite laine, en fait, pour aller là-bas. C'est que ça, la map? Non, apparemment... Non, après, il y a d'autres trucs. Mais je ne sais pas. Tu regardes, là. Non, c'est pas possible. C'est tout ça, la map? Mais c'est énorme! Pour une fois que j'avoue, c'est plus grand que ma... C'est énorme! C'est pour ça que je les voyais pas, les balises! Elles sont à perpète! Ah non! Je vais ouvrir la porte comme ça! Putain, l'ingéniosité du truc! Wouh! Nintendo, je vous aime! Alors là, c'est magnifique! Magnifique poterine! Oh là là! T'es où? Excalibur? C'est toi? Épée rouillée. La X indique toujours la croix de l'emplacement. Ah, c'est marrant, il sort sa tablette pour faire exploser la bombe. Qu'est-ce que... Oh, attends. Mais vous êtes débile ou quoi? Oh, les mecs, ils sont suicidaires. Énorme. Mais t'es un mongol. Comment tu veux que je tousse pas? Entre ses collègues qui se suicident et lui qui fout le feu à l'herbe et qui va chercher sa massue dans le feu et qui crame, l'IA elle est magnifique. Là c'est beau, même s'il y a le filtre d'opacité là de 20% qui rend vraiment dégueu, ce qui est vraiment 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 dommage. Et ne me faites pas dire que c'est pour l'ambiance du jeu, ce n'est pas pour l'ambiance du jeu. Ou alors c'est un très mauvais choix. Par contre, la fumée volumétrique au sol là qui se propage là sur le sol, c'est vraiment génialissime. Oh, renard. Oh, sérieux, tu peux jouer au... Ah, terrible, tu peux jouer à la... Au cricket. Ah d'accord, oui, non mais je m'attendais à un gland un peu plus turgescent là, parce que là... Oula, baston. Y'a le téléphone qui sonne. Putain, mais tu vois comment j'ai fait pour le rater, t'as vu la tech? Oh, la langue qu'il a, trop marrant. Il a une langue bleue comme les chouchous. T'as un balai? Sérieux, tu nettoies les routes? Où t'es gros, toi? Putain, bouffe ça. Une bifle, qui veut de la bifle? La bifle, l'hélicoptère. Wouhou! Wouhou, le truc. Oh, magnifique. Bah, magnifique. Putain, il est résistant, ce con. Eh, c'est cool. C'est cool, ils ont même pensé aux filles qui jouaient. Ils ont même pensé aux femmes qui voulaient jouer au jeu. Maintenant, au moins, elles se sentent chez elles. Et je suis sûr qu'elles vont démonter Ganon sans problème, même avec 3 cœurs, quoi. Excellent. Ils ont pensé à tout Nintendo, c'est magnifique. J'adore cette herbe. Même si c'est fait un peu plastique, mais avec le reflet du soleil et tout, et que ça bouge, et que ça soit aussi haut, en fait. Je trouve ça génial. Oh! Un rubis! Mon sou fétiche! Je suis riche! Oh là c'est beau. C'est dommage ce brouillard. Mais là c'est beau là. Là c'est beau là. Là on voit une grosse zone. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit une grosse zone. Une grosse zone de. Ah! Des Kirikou. Non, des Kokoro. Des Korobo. Des Klekiko. Je sais plus. Faut les rembourser avec le bouclier. Là c'est beau là, plein d'herbes là comme ça, c'est magnifique. Voilà, ça prête tellement à l'exploration, c'est... Oh là c'est magnifique. Là il y a un petit soupçon de beauté là, dans ce petit coin là. Avec le vent, la fumée volumétrique, la lumière qui passe à travers les arbres. Là c'est beau. Il prend la tête de son pote pour taper. Je vais te caresser, viens mon petit bouc.
Il y a des traces de pas dans le sable, hein. Là où FF15, il en a pas. Ah oui, ça explose que 1, et alors que ça fait des ravages partout. Ok. Bim! Biatch! T'en servir comme épée aussi? Ou comme boomerang? Quoi? T'es sérieux? Faut le rattraper! Falloir un petit temps d'entraînement. Ah. T'es sérieux? Il pleut aussi? Et quand il pleut, je peux plus escalader! Comme par hasard! Excellent, il pleut aussi! Ah ouais, d'accord. Excellent, excellente idée. Excellente, voilà, ça c'est du level design de bâtard. Tellement de jeux auraient fait. Attention, à cet endroit, vous avez de l'eau sur le côté, mais vous pouvez aussi utiliser votre magie Cryodis pour faire un pilier latéral. Oh, tunique! Non, pas toi, madame, ta tunique. Je peux l'avoir, ta tunique? Ok, ça va être à la For Honor. Ok, venez. Ah, mais vie! Je me suis fait chier d'or! C'est tout? Ah, si, bon, ils sont en train de cramer, c'est bon. Il s'est cramé tout seul. Chaud. C'est bien une nana, ça. D'abord les frics, et puis après... Ok, bon, bah je vais te tamponner, madame. Waouh. Ça en fait de la surface à nettoyer. J'ai mon balai. Oh. Yes, comme à Cocorico, comme à Ocarina of Time. Excellent. C'est génial qu'ils aient gardé ça. La boutique des 4 petites mains vous accueille tous les jours. Et c'est un chinois, et 4 petites mains, couturière hors pair. Et d'avoir une usine derrière, en dessous, avec 3000 chinois. Faiblit un peu ta défense, c'est le seul hic. D'accord. Vous êtes sûr, vous êtes chinois? Vous êtes pas juif plutôt? Sérieux? Il y a même des coiffures, c'est génial! C'est quoi ces rubis? T'es sérieux? Je sens une puissance, ah oui, débordante! Ah, excellent, comme dans Ocarina of Time. Sauf qu'elles sont plus jolies, parce que dans Ocarina of Time, elles étaient carrément moches. Ah, c'est des offrandes. Alors, si j'offrande quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Attends, allez voir s'il y a un secret derrière la maison. Ah ah! Non. Non, t'as diminué depuis Ocarina of Time, hein, Impa. T'as perdu au moins 1m20. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Lynn? Après, au Japon, les femmes, elles sont super belles. Et quand elles vieillissent, elles font ça. Rencontre. Bah, j'espère que Zelda a pas vieilli pareil, hein! Parce que la carotte, je vais pouvoir me la mettre sur l'oreille, elle a fumé plus tard, quoi. Et aussi pour grand-mère. Salut, papa, et je lis ton journal. Ah! C'est Link. Ah! Si elle s'assoit, elle va faire ventouse. Mais Sir Link? C'est ma chambre, pourriez-vous sortir au plus vite? Un lit très moelleux, Paya. Ça fait 100 ans, je peux te dire que je marche en cow-boy. Hein. Non? Tu veux pas? Tant pis. Tu sais pas ce que tu rates. Ouais, agrandis mes noix, vas-y. Si vous me demandez pourquoi j'appelle le cheval Blackie, c'est parce qu'il est bleu. Ah ouais, c'est ça. Aïe! Le salaud dans le dos! Allez, on va faire un truc à la Assassin's Creed. Tomb Raider-esque. Chargez! Oh, c'est beau! Oh putain, on peut en tirer plusieurs! Massue beaucoup, mais de rien! Voilà, là c'est très très joli, avec l'ombre dynamique du nuage. Regarde ça! C'est très 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 joli, là c'est très joli. Ah, c'est joli ici, putain, j'avais pas vu! Ça fait très xénoblédien! Si tu sais pas comment me remercier, moi je sais, madame. Et elle s'appelle Muscade. Muscade. Muscade et Uscade. Muscade ou Muscadet, c'est comme vous voulez.
Ça rend... C'est vraiment vivant. Les villages sont vraiment, vraiment vivants. C'est à ça que devraient ressembler les mi, nos mi dégueulasses, là, tout moche. C'est à ça que devraient ressembler les mi, à la limite. Ah, je crois qu'il a donné un coup de rein. Eh, tu m'as pris à cœur, salope. Con... Mais un peu le boulot, je prélève ce récétac de cœur sans laisser la moindre trace. Connard. Il y a plus de villages, il y a plus d'impact de villages et de réels villages et de villes que dans l'intégralité de FF15 qui est totalement pourri et mal branlé. C'est un truc de dingue. Mais bon. Ah putain, mais même comme ça, ça marche! Oh là là! Mais t'as checké, mais t'as. Mais t'es ouf! Mais t'es ouf le jeu! Même comme ça, ça marche! Oui. Oh, regarde-les en faire des tonnes! Tiens, du bordin, j'aime ça. On dirait que moi. On dirait moi quand j'avais ton âge. Oh, terrible! Casquette de soldat. Oh! Je veux ça! Je veux ce truc! Là! Now! Tout de suite! On the floor! Oh! Ah oui, 90 la viande marinée enduro! Mais je vais me lancer dans le commerce de cuisine, moi. Terrible! Le vent pousse le radeau parce que j'ai coupé la corde. Putain, mais c'est l'arbre mana que j'escalade ou quoi? Là, ça donne une super impression d'herbe mouillée, là, avec le sol complètement gorgé d'eau. C'est pas mal. Elle est chéka, elle est cachée. Pas mal, pas mal du tout. Wouh! 50 le shot net fruit. 50 le shot net fruit. Cuisine! Cuisine est là. Ah 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 ah! Bon, c'est pas grave. T'sais, la puce finie, ils sortent. Ah, c'est magnifique. C'est du Shenmue, ça me rappelle Shenmue en fait. Fouya! Je suis dans Steep! Il est meilleur que Steep ce jeu. Oh! Oh, il envoie du poulet! Oh, il envoie du poulet! Oh, il s'envoie du poulet ça. Oh, ça s'envoie du poulet. Là, je suis dans Skyrim. Mes yeux! Ah bah ouais! Je peux te dire que je suis tellement éblouissant que j'aveugle la plupart des nanas. Ok, bah c'est cool. J'ai bien fait de lui parler. C'est tellement agréable de se promener dans ce putain de village. T'as même pas envie de sortir du village, t'as envie de profiter de l'ambiance. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable ce qu'ils ont réussi à pondre. Surtout sur une aussi petite console avec aussi peu de puissance technique, ils ont réussi à pondre un truc aussi puissant. C'est quand même dingue. Oui! Oh la vache! Ah, il y a même les animaux, les ennemis, les matériaux, les... Ah oui, tu dois tout encyclopédifier dans ta truc. On peut zoomer. D'accord, ok, super. Eh ben, ok, je vais pouvoir mettre mieux mon trou dans le nez de quelqu'un. Un endroit pour cuisiner. Je trouve ça génial. Tellement génial. Le concept de... C'est toi-même qui mets les tampons sur la carte. En explorant plutôt que dès que t'approches, pouf, t'as le tampon qui se crée, ou alors le tampon il est déjà là avant même qu'il soit que t'aies approché. C'est toi-même qui grind ta carte et je trouve ça superbement une excellente bonne idée. C'est excellent. Là t'as vraiment l'esprit d'aventure où tu découvres, où tu notes, où tu fais tes petites annotations sur ta carte et tout. C'est vraiment, vraiment génial. Mais elle est énorme cette tour, il n'y a pas de pause dans l'endurance, je fais quoi? Non! 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 Oui! Non! Mais non! Mais... Oh là, cette fumée volumétrique, là, elle est magnifique dans la montagne. C'est magistralement orchestré. Le moteur physique de ce Zelda est juste incroyablement somptueux, d'une liberté... Bah, une liberté jamais vue auparavant. Non, non, une liberté jamais vue auparavant. L'effet d'eau aussi sur l'herbe, là, comme ça, là, ça fait vraiment la terre gorgée par la flotte. C'est vraiment bien rendu. C'est extrêmement bien rendu. Oh là, bonjour! C'était pas prévu au programme, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour! Vous voulez parler d'amour? Regarde, regarde, il y a les gouttes de ses cheveux qui jartent sur l'effort. Oh putain, c'était limite. Ah, s'il faut le battre, je vais... Ah, putain!
Je vais absolument pas être équipé si j'ai besoin de le battre, ce gros machin. Coucou! Je vais user que ça comme vie. Coucou! Ok, c'est mort. Faut venir avec 480 flèches. Mais t'es indestructible ou ça se passe comment? Oh la vache! Oh la vache! La vénaison divine. Ah, t'es sérieux, le petit pic de merde? Il m'a fait autant de dégâts? Mais c'est abusé! C'est Dark Souls ce jeu ou quoi? C'est magnifique quoi, c'est magnifique. La vie, la vie. L'eau, la vie. Il est magnifique ce Zelda, c'est incroyable. Incroyable. Oh c'est magnifique ici. Regardez-moi c'est quoi un level design, bordel de nouilles. Ça c'est du level design. Ça c'est du level design. Oh, de la buée qui sort de la bouche et tout. C'est magistral. Le jeu me fait un peu penser à WoW, je sais pas quoi. Peut-être pour la qualité graphique, hein, parce que des fois... Oh, c'est... Oh ah, j'ai de la... Ah, non. Non, 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 Link. Oh, putain. Putain de bouc. Regardez le reflet sur l'herbe de la lune. Comment il est magnifique.